Donc, j'en ai nettoyé une. Comme je n'ai que deux mains, je ne peux pas vous montrer exactement comment je fais. Je vais juste suggérer. Donc voilà, je mets ma chandelle comme ça. J'essaie de garder le bout qui est censé rester propre et qui par lequel l'eau filtrée descend dans la cuve de dessous. Donc ce que je fais, c'est que j'évite de faire de rentrer de l'eau. Donc ça, c'est de l'eau de pluie hein, qui est plutôt propre. Enfin, pour moi, ça va, quoi. Et donc je frotte avec la brosse comme ça. Ça va assez bien, hein, ça prend pas trois plombes. Il y aurait peut-être moyen de, je sais pas, de les tremper dans de l'eau bouillante ou de remettre de l'argent colloïdal hein, sur certains modèles. Il y en a un filtre, enfin, il y en a un film, hein, c'est-à-dire que avec un spray, argent colloïdal, on laisse sécher. L'argent colloïdal ayant des propriétés antibactériennes ou un truc dans le genre, je ne sais plus. Enfin bon, c'est bon pour la santé. Donc voilà. Bon, je ne vais pas la laisser tremper trop longtemps. Je vais frotter, je remonte et c'est reparti pour un moment. Puis il faut que j'aille à la source du coup parce que je n'ai plus d'eau.